côté qu'on est capable éteindre écran téléphone sans que vous pas pisez bouton pas ouais ou cas allumer écran téléphone sans que vous pas pisez bouton pas ouais ok voilà tout ça exactement on va aller directement dans la vidéo on va aller ok on clique sur paramètres on cherche paramètres de téléphone on clique sur lui et on clique sur paramètres de téléphone on va chercher l'autre option qui est les et fonction avancée. Ok, on clique sur fonction avancée. Ok, on fin clique sur fonction avancée, on va jouer l'autre option qui va être mouvement et geste. Ok, on clique sur lui. Ok, là, il y a bon deux options. Double appui pour allumer l'écran. Ça, c'est la première option. Deuxième option, double appui pour éteindre l'écran. Ça veut dire pas mieux de l'être activé. Pas mettre activé, ok, désactiver pour me capable bouton. Ok, là on va activer première, ok, là encore on va activer deuxième, ok. Ça veut dire moi tout comment ça fonctionne, moi le tout comment la pitaine, même pas comment comment la banni, parce que wap non fini faire le wap capable vérifier pourquoi, parce que à la main qui m'a éteint l'écran vidéo a coupé. Pour voir une vidéo à couper, ça veut dire que je vais faire les malimés encore. Qui veut dire que je vais faire lui-même, je vais capable faire tous les deux. Parce que son vidéo m'a enregistré, depuis que j'ai une vidéo à couper. Ok, soutenez mes vidéos, balle au like, et puis abonnez, partagez, je vais tourner avec l'autre vidéo. Ça veut dire que je vais l'éteindre, même pas que je vais l'animer. Ok, je vais commencer à fonctionner. Ça me souhaite faire un ami. Directement, ok. Là, on mettait face et écran téléphone. Je ne vais pas l'éteindre, même pas l'allumer parce que la vitesse. Ok.